Salut à tous, c'est le Killer. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors aujourd'hui, petit programme. Donc, on va faire du 2v2. Ok, là oui. Ok, ça commence très bien sur la vidéo. Petite connexion perdue, je ne comprends pas. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai changé un petit peu mon deck là. Je vais bientôt. J'attends pour améliorer aussi mon chevalier. Donc, j'attends 60 000. Et du coup, toujours pas la princesse dans le shop. J'arrive toujours pas à la voir. Ça fait je sais pas combien de temps. Donc, maintenant, je sais pas. Bah, demain, c'est soit j'achète le méga chevalier, soit j'achète la princesse, comme vous l'avez dit. Au pire, dites-moi dans les commentaires. Lequel vous voulez entre la princesse et le méga chevalier? De toute façon, moi je m'en fiche. Si vous voulez que j'achète la princesse, j'achète la princesse. Si vous voulez que j'achète le méga chevalier, j'achète le méga chevalier. Ou une autre carte, ça dépend. Donc le défi de ces deux, j'ai fait qu'une victoire. Voilà, je suis nul. Au revoir. non, mais c'était vraiment chaud. Alors, voilà, c'était un peu chiant aussi. J'ai même pas fait les 30 couronnes. 30 couronnes, les 30 victoires. C'est très chiant, mais bon, de toute façon, de ces deux, dans un défi de ces deux, c'est toujours. J'arrive jamais. Donc, on est parti, hein. On va essayer de rush un peu les couronnes pour mon CDC. Donc, ah oui, n'hésitez pas à rejoindre le clan. Donc, toujours en votre disposition, hein. Donc, Wata56 tout en majuscule. Et il y a 2T à Wata. Ok, c'est bon. Il y a 2T à Wata, donc n'hésitez pas à venir, comme ça le coffre sera beaucoup plus élevé, parce que là on est qu'à niveau 1, mais bon, ce week-end-là, j'ai pas énormément rushé. C'est pour ça que je le fais en vidéo. Et what? Ah oui, là on est mal barré. La bûche fait recouler tout ça. Et le bûcheron là-bas aussi qui fait le taf, mais par contre on a failli perdre la tour sur cette attaque. Alors la petite voleuse pour accompagner le chevaucheur qui est enragé grâce à mon bûcheron. Et ça fait la... Oula, gros. Oh eh mais, si la connexion elle se barre... Bon attends, je fais une petite coupure parce que... Bon voilà, du coup la wifi est revenue et on se fait défoncer. Alors qu'on était bien parti. Et ça bug. What, et ma bûche, je l'ai vu passer deux fois. C'est un peu bizarre, je vais pas vous le mentir. Et du coup, je mets la voleuse là qui va faire tout le taf. Allez, c'est pas là trop que je voulais qu'il vaille, mais bon. Et on est vraiment mal barré à cause de ma co. On peut lui dire merci. Puis je refais un combat, c'est pas très grave. On perd rien dans le défi de ces deux. Et c'est heureusement qu'on perd rien parce que ça sera un peu chiant, tu vois. Allez, faut qu'on se reprenne. Et le sorcier, tu vas pas nous embêter ici, hein, toi. Et la bûche, oh. Oh non, j'aurais mieux mis, elle serait pré-shot. Allez, vas-y. Sérieux. De toute façon, on peut rien faire. Hein. Voilà, on aurait peut-être pu gagner, mais... Moi, je vais les laisser. Voilà. Rester 500 points de vie, c'est leur tour. Bon, c'est pas grave. Oh, tiens, je vais juste dire un truc dans le clan. Coucou YouTube, hein, comme d'hab. Alors, Voilà, j'en sais. Ok. Donc voilà, on est 8, non 10 dans le clan, oui, mais il y en a des gens qui sont venus, donc n'hésitez pas à venir, voilà. Wata 56. Donc j'espère que en plus vous êtes actifs et en plus pourrais jouer avec vous, j'aimerais bien jouer avec vous. Mais à chaque fois que s'il y a un abonné qui est venu, je voulais bien jouer avec lui, à chaque fois que j'étais co, il était jamais co, donc voilà. Dis-moi dans les commentaires. Voilà, c'est l'abonné qui est venu. L'abonné. Bon, on va continuer les deux vidéos. Les autres, je sais pas si ce sont des abonnés, mais bon, c'est pas très grave en même temps. Tant qu'il y a des gens qui rejoignent le camp, ça fait plaisir. Allez, alors lui, il est quoi?
Géant Royal, ah ouais, le mec joue Géant Royal, ok. Oh bah, il commence par ça, de quoi. Que vous savez, le Dragon TDE qui arrive, non? Parce que j'ai l'impression qu'il est de plus en plus joué, le Dragon TDE, on va pas se le mentir. Et ça faisait longtemps aussi que j'avais pas vu. Un géant royal. J'ai tout géré avec mes bûches en fait, mais bon. C'est juste que là, on va se faire défoncer, mais bon, c'est pas très grave, mais non. Viens par ici, toi. Non, mais oh, peut-être que la fête. Ah, peut-être que lui en fait. Ah, mais on les a défoncé une tour, alors ça va. C'est pas si grave que ça. Mais aussi, il va nous défoncer une tour. Pas grave. Ma T2. Vite, 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 vite. C'est pas grave. Elle défonce. Bah, tant qu'on a défoncé leur tour, et leur tour principal, ils ont moins de points de vie que nous. Alors, hein, chut. Hein. Ils sont 10, ces archers. Bah, ça va. Voilà, l'archer tout seul qui a fait un quart du bébé dragon, c'est n'est que niveau 3. Moi, j'aimerais bien qu'on attaque à gauche. Un peu à droite, parce que tu vois, il y a son sorcier et tout, tu vois. C'est ce que je veux dire. Quand même, je vais défendre avec Boro qui va faire largement le taf, je pense. Ok, pas du tout en fait. Je le savais depuis longtemps. Si, en fait, ça va. Jean Royal qui va bien gratter la tour aussi. Le golem gérer la princesse qui. Voilà. Wow, la tour qui va tomber à gauche. Logiquement. Gérée par la voleuse. Ok, la tour n'est pas tombée, mais on l'a bien grattée, tu vois. Si tu vois pas, bah, c'est pas de ma faute. Oui! Ouf, elle tape pas la princesse. Il y a deux princesses dessus un bébé dragon, tu sais. Le pauvre. Et les deux princesses se sont fait gérer. C'est pas grave. Mince, j'aurais dû jeter deux, moi. Ouais, non, en fait, ça va. Oh, la bûche, là, heureusement que j'ai mis. Hein. Heureusement que j'ai mis. Allez. On attaque, il faut faire un petit trois couronnes. Un petit trois coucou. Vite, ouf. Oh, la voleuse qui vide la roquette. Et c'est bon, le trois coucou qui passe. Mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est bon, ça. Trois couronnes. Pour le CDC. Oh! Un coffre magique! Oh là là! En vidéo en plus! Oh le coffre magique! Et en plus, je rush les gros coffres pour faire un. Comment dire? Un pack opening. Donc là, je suis en train de rusher à mort. Et voilà, un coffre magique qui vient. Un petit screenshot, ça fait plaisir. Ça veut bien, voilà. Et ok, ça revient, ça ici. C'est toujours comme ça. Oh là là, yes! Petit coffre magique, ça fait plaisir. Donc voilà, regardez, hop là j'ai un coffre magique, j'ai un coffre géant, j'ai deux coffres en or, je sais pas si je vais attendre pour un autre coffre, il faudra que je vais voir sur le stade royal, il y aura un coffre à couronne, deux coffres gratuits. Et un coffre de clan, de toute façon on a le temps, de toute façon il est que niveau 1 pour l'instant. encore des fois j'ai des épiques, alors ça va. Ah oh, ça fait plaisir un petit coffre magique. On verra si je rush après encore. On va continuer avec une autre petite bataille. Je pense que ça va être la dernière game dans cette vidéo. Après, là quoi. Et aussi, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo, donc compilation de pré-shot, que j'ai vraiment bien aimé. Bon, elle est peut-être pas hyper longue, mais j'ai quand même assez galéré pour faire des beaux pré-shot. C'est comme ça quoi. Ok, commence avec un golem et eux avec un trio. Allez. Que deux cartes qui coûtent hyper cher. Il a loupé sa boule de feu à cause de ma bûche. En même temps, je pensais pas qu'il allait mettre. Il allait mettre une boule d'œuf. Hein. Bon, c'est bon, leur trio, leur trio de moumou, il est fait en quelques secondes là. Pancakes. Non, parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que. Que le mini PK quand il dit à chaque fois j'ai l'impression il dit PAM KEKS. Ouais je sais je suis bizarre. Ok petit sorcier sur les chauves-souris qui va faire un peu le taf et il tape rien en plus ça c'est nickel. La petite voleuse pour gérer tout ça c'est quoi qu'il a mis. Ah ouais il a mis ça j'ai même pas vu c'est avec mon logo
Oui, GG, la voleuse qui a tout nettoyé, tu vois. Je pense qu'on va mettre un petit bourreau derrière ce golem. Au calme, au calme, au calme, au calme. Et eux, ils vont bien nous terrasser. Mets ta boule d'œuf! Ok, bah je vais mettre mon truc aussi alors. On gère des trucs moumous avec ça, tu sais. Merde. Oh, désolé. J'ai pas voulu dire ça, mais j'ai voulu dire oups. Sauf que je suis tellement habitué aussi des fois. Là, par contre, on peut être mal barré ensuite. En fait, je voulais mettre de la bûche sur. Voilà. Ok, en fait, on a deux tours qui tombent. Ah non, là, en fait, ça va. Vite, 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 on accompagne là-bas, on accompagne là-bas. Allez, bûche en pré-shot. Oh! Oh, le gros lag! Ici. Jamais vu ça. Allez, vas-y, le ballon, vas-y, le ballon, vas-y, le ballon, vas-y, le ballon, vas-y, tape! Oh non, mais sérieux, mec. Il aurait tapé, ça aurait été trop bien, mais là, tu vois, on est un peu. On est un peu dans le caca, là. C'est normal, si je parle pas, je suis un peu en train de réfléchir à ce que je vais faire. Allez! Oh! On allait se faire défoncer et moi, ce que j'ai réussi à mettre un bûcheron voleuse là-bas, ça a tout fait le taf. Donc, trois coucous. Et je pense qu'on va s'arrêter ici, les petits abonnés. si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi à partager à fond cette vidéo. Et bah voilà, n'hésitez pas à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Yeah.